donc toujours des bénévoles, donc s'il y a des bénévoles disponibles. Et quelques 15 minutes, pourquoi pas une petite pause café-gâteau à cette heure-ci. Alors, l'idéal pour avoir cette pause café-gâteau, c'est de vous rendre sous le grand chapiteau blanc. Venir à notre podium animation avec quelques annonces à nouveau des rendez-vous que nous aurons tout à l'heure. Donc, j'allais dire en fin d'après-midi, c'est pas le cas, mais dans quelques petites minutes, alors il est vrai. Alors, je pense qu'on m'a ramené un doudou casquette, un doudou blanc, donc c'est ici à notre podium animation. Et alors tous les tickets, tous les renseignements, c'est au stand des jeunes agriculteurs, c'est donc le stand à côté de notre podium, et tout à l'heure on va libérer, on va dire dans 30 minutes, on va libérer la super championne pour ce fameux loto 12, pardon. Et donc, bien sûr, des lots à gagner et à récupérer ici sur notre podium. Donc cela en fin de journée, ou en tout cas à partir de 18h. Alors actuellement nous avons un cours, donc une démonstration en ce qui concerne le produit de mer, donc une démonstration de cuisine avec Olivier Bonin, deux étoiles. Donc là il va vous donner bien sûr quelques recettes, il va également vous poser quelques questions. Vous aurez aussi un questionnaire à remplir, il y aura des gagnants, il y aura malheureusement des perdants. Donc là, nous remettrons les lots donc, de ce soir à partir de 18h sur ce podium. Je donne pour vous la expérience. Donc à partir de 18h, rendez-vous donc à nos partenaires sur ce podium pour la remise. Sur ce podium à partir de 18h. Super champion, et on désignera le vainqueur, parce que là il n'y aura qu'un seul vainqueur. Hein. Oui, madame. Voilà, on nous remet le site, je dirais, en ordre, et donc on va repartir tout à l'heure pour l'épreuve de Tractor Force, et on va se retrouver ensuite aux alentours des 17h-17h30 avec donc une dernière épreuve de Westpath qui sera la dernière de la journée. Voilà. En tout cas, on n'est pas encore là. Hein, donc, ne clôturons pas l'opération avant non plus la fin. Donc, pour l'instant, nous allons avoir encore, je pense, quelques épreuves de Tractor Force, également du broyage bois. Ça, c'est tout à fait derrière. Donc, il y a des arbres qui arrivent là. Et, on les voit passer dans la machine. Et ensuite, on les voit sortir en copeaux. Donc à l'arrière de la machine. Hein. Thank you.
voilà un reflet de sol. Un reflet un peu mignon, puisque tout à l'heure il était dans ses ans passés, mais je pense que ce terrain, et donc tout à l'heure on repartira pour une autre épreuve de Pacte Force. Je vois là donc la Pacte Force qui nous ramène cette machine infernale qui nous bloque ses facteurs. Donc ah, il est vrai, ça paraît vraiment tout simple, mais lorsqu'on attend un facteur et qu'on tire dessus, il y a une masse qui, au fur et à l'avancement, voilà, là c'est vrai que lorsqu'on parlait tout à l'heure de Pacte Force, il faut donc entre chaque épreuve ramener donc cette fameuse remorque qui nous pose tellement de problèmes. Il faut toujours à chaque fois la ramener à son point de départ.
sixième en train de la bourre. On aura bien sûr le classement, cela donc tout à l'heure, un peu après 18h. On aura la remise des médailles. On connaît toujours pour l'instant en tout cas l'épreuve Acoforce. Et vous avez là en tout cas son siège donc à Arcole et qui nous vient donc qui est en face de nous avec là une dizaine de bénévoles qui sont prêts bien sûr à répondre à toutes vos questions. Donc cela se passe des vieux métiers et vivants. Une dernière démonstration des tracteurs tondeuses. C'était prévu donc à 45. Je pense qu'on va y arriver dans quelques petites minutes. Alors donc si les pilotes, si les machines pouvaient déjà être sur la piste. Donc une dernière démonstration donc de tracteurs tondeuses. Alors je ne sais pas si les pilotes sont toujours là, si les machines le sont également. Donc si on pouvait mettre, je dirais le tout, ce que à l'heure, dans quelques petites minutes, on leur donnerait bien sûr le feu vert pour effectuer quelques tours. Et bien dans cette piste, on va clôturer par la dernière épreuve, je pense, ou dernière démonstration des moines basse cross. Donc pour l'instant, si donc les tracteurs tondeuses sont toujours par là, donc s'ils veulent bien donc occuper le site, donc voilà. Alors le moto 12, il va falloir faire quand même assez vite. Hein. Attendez, la super championne est là. On va la libérer dans quelques instants, bien sûr. Le temps pour vous de choisir une case, d'acheter votre billet et on va libérer la championne donc, pour déterminer donc, la gagnante ou le gagnant. Donc.
quand tu dors pas bien. Hein.